Un milliard et demi d'euros, ce sera le 4 mai pour financer, entre autres, la recherche. Avec cette phrase, si nous arrivons ensemble à développer un vaccin qui produit, qui sera produit par le monde entier pour le monde entier, nous aurons un bien public mondial, importance unique pour notre siècle. Est-ce que vous adhérez à cet appel au don Est-ce qu'éventuellement vous appelez euh, ceux qui peuvent à y participer Écoutez, tout ça, c'est une entreprise de communication. Depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron a développé énormément d'énergie pour tenter de sauver euh, l'idée européiste. Euh, et à chaque étape de la crise sanitaire, plutôt que de s'occuper de développer des moyens euh, et notamment des fonds pour aider nos soignants qui n'en peuvent plus, euh, pour donner des protections à tous ceux qui en ont besoin et qui désespérément euh, appellent à ce qu'on leur en fournisse depuis des semaines et des semaines, eh bien, il s'est attaché euh, à faire de la com sur l'Union européenne, sur euh, euh, l'Europe et compagnie. Euh, je vous signale d'ailleurs qu'on attend toujours les résultats de Discovery, qui est un crash absolument total, puisque euh, cette grande étude européenne est en fait euh, euh, totalement inerte, qu'elle euh, n'a pas du tout avancé, qu'il n'y a qu'aucun pays, il y a toute une série de pays dans lesquels il n'y a aucun patient. Bon, tout ça, encore une fois, est de la com. Moi, je ne rentre pas dans la com. Ce que je vois de manière pragmatique, c'est qu'est-ce qui est fait pour assurer la sécurité de nos compatriotes et accessoirement pour permettre de redémarrer l'économie lorsque nous savons qu'il y a des milliers d'entreprises aujourd'hui, de restaurateurs, de commerçants, euh, de, de TPE et de PME euh, qui sont euh, au bout. Hors de l'asphyxie ou déjà asphyxiée, hélas. Alors justement, Marine Le Pen, au regard de ce que vous observez ces derniers jours dans le pays, est-ce que vous considérez que la date du 11 mai pour débuter le déconfinement est toujours crédible à vos yeux mais le problème n'est pas une question de date. Et permettez-moi de dire que je suis tout à fait en désaccord et que je trouve indécent la manière dont depuis des semaines, le gouvernement euh, culpabilise les Français euh, qui pourtant, euh, objectivement, jouent le jeu dans des conditions qui ne sont pas simples parce que confiner l'intégralité d'une population pendant des semaines, c'est extrêmement compliqué, y compris euh, sur le plan psychologique pour beaucoup euh, de nos compatriotes. Euh, les Français euh, jouent le jeu et ils sont culpabilisés. En en toutes circonstances, on les menace, on les traite comme des enfants, et ça c'est inadmissible. D'autant plus inadmissible, pardon, mais euh, que l'on attend d'abord de l'État qu'il ait rempli ses obligations. L'État a-t-il rempli ses obligations Réponse, depuis la fin du mois de janvier, non dans aucun domaine, ni sur la maîtrise de nos frontières, ni sur les tests, ni sur les masques, ni sur la gestion des EHPAD. Euh, rien de tout cela n'a été fait. Alors essayer de faire porter la culpabilité de quelque chose qui ne fonctionne pas sur un coup sur les Français, euh, un coup euh, sur euh, les, euh, les, les scientifiques, euh, c'est quand même assez révélateur, je trouve. Mais Marine Le Pen, vous n'avez pas répondu à la question. Ni Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans les colonnes du Parisien, laisse planer le doute. Il dit euh, la date du 11 mai est très incertaine. Est-ce que euh, vous considérez, vous, qu'on est prêt, que la France est prête à réouvrir, Mais... à se relancer euh, la, le 11 mai Mais... Mais comment voulez-vous que je vous réponde, puisque nous sommes confrontés à un gouvernement qui ment depuis le début de cette crise la vraie question auxquelles m. véran devrait répondre les questions auxquelles il devrait répondre et auxquelles il ne répond pas euh, c'est. Y a-t-il véritablement assez de tests pour le 11 mai Y aura-t-il des masques pour tous les Français le 11 mai Ce sont celles-là les questions auxquelles il doit répondre. Et moi, je peux vous dire que je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Voilà, je pense qu'une nouvelle fois, on nous balade. Si je regarde les chiffres qui sont donnés par l'OCDE, euh, on teste aujourd'hui euh, 9 Français sur 1000. Donc, c'est très éloigné euh, des. Les chiffres qui sont donnés par monsieur Véran, pardon, mais c'est surtout la question des très, très éloigné le... des 700 000 tests qu'on nous promet pour le 11 mai. Et il sur en est pareil masques, pour les masques. Qu est-ce que vous trouvez qu'Olivier Véran, toujours du reste dans les colonnes de nos confrères du Parisien, lorsqu'il dit que 100 millions de masques vont être distribués euh, à la médecine libérale pour qu'elle puisse reprendre en partie du moins son activité, est-ce que vous dites, bah, euh, bah, heureusement vous le faites, il était temps, ou est-ce que vous trouvez que c'est insuffisant encore? Non mais enfin écoutez, euh, il était temps, c'est peu de le dire. Je, je suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit suffisant, euh, parce qu'en réalité, euh, les médecins, euh, euh, dans l'idéal, auraient besoin de changer euh, de masque à chaque patient. Bon, euh, et cela fait des semaines que des soignants, des médecins euh, libéraux, euh, sont euh, touchés, euh, sont contaminés, sont malades et meurent parce qu'ils n'ont eu que, je crois, deux masques par jour qui ont été attribués, et encore, dans des conditions euh, qui sont extrêmement difficiles. Donc euh, on voit bien, encore une fois, que la responsabilité du gouvernement dans euh, la gestion de cette crise euh, est, lourde, euh, est lourde. et, Masque et obligatoire, vu qu'il y avait un changement de, de doctrine Marine Le Pen, est-ce qu'il faut à vos yeux rendre le masque obligatoire Vous savez, c'est tout un débat. Est-ce que pour vous, c'est oui, une proposition oui. hein, que vous avez soumise Est-ce oui, qu'il faut vraiment le dire aux Français Oui oui, je pense que dans l'espace public, au moins pendant quelques semaines, le masque doit être obligatoire, comme il l'est dans, euh, encore une fois, beaucoup de pays qui ont réussi à plutôt bien euh, maîtriser la situation. Oui, parce que le masque est très utile, contrairement à ce qui nous a été dit par le gouvernement pendant des semaines, le masque est très utile. Et permettez-moi de vous rappeler tout de même, parce que ça a été caché que le conseil scientifique qui a été mis en place par le gouvernement avait considéré dès le 12 mars que l'ensemble de la population devrait porter un masque et l'ensemble de ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement. Aurait dû disposer de masques. Ça aurait évité que pendant le confinement, le virus continue à circuler et qu'il y ait encore des gens qui, aujourd'hui, arrivent aux urgences avec euh, euh, porteurs euh, du Covid-19. Alors justement, il y a l'accès aux masques et la façon dont on s'en procure. Hier soir, je recevais Axel Kahn, le généticien, président de la Ligue contre le cancer. Il a demandé sur cette antenne la gratuité, Marine Le Pen, des masques pour l'ensemble des personnes touchées par cette maladie et plus largement pour les personnes en état de faiblesse physique, non immune en tout cas. Est-ce que c'est une proposition que vous soutenez mais évidemment que je le soutiens. On n'a pas, pas en l'état de traitement et on n'a pas en l'état de vaccin. Il y aurait un vaccin, je suppose, que ce vaccin serait remboursé par la Sécurité sociale. Que le masque soit remboursé par la Sécurité sociale pour les gens fragiles et pour les gens qui sont atteints me paraît être une. Évidence. Mais je vous signale que là encore, euh, on a eu un grand débat à l'Assemblée nationale. On a passé trois heures sur le taux de TVA du gel hydroalcoolique. Euh, ils ont baissé, à la demande de tout le monde d'ailleurs, euh, la TVA sur les masques à 5,5. On a dit Mais pourquoi est-ce qu'on ne le baisse pas plus Pourquoi on ne baisse pas la TVA à 2,1 considérant qu'en réalité, ça joue le, le, le rôle d'un médicament. Eh bien, on ne peut pas, parce que l'Union européenne nous l'interdit. Voilà où nous en sommes, à être obligés de faire un, un bras de fer avec l'Union européenne pour lui demander de faire en sorte de nous autoriser, nous qui sommes pourtant un pays souverain, nous dit-on, euh, à avoir sur les masques un taux de TVA le plus bas possible. Pour moi, en ce qui me concerne, je préférerais que ce soit zéro, mais inutile de vous dire que là, on nous a expliquer qu'alors là l'Union européenne serait véritablement pas d'accord. Marine Le Pen vous vous avez pris position pour le masque obligatoire dans l'espace public, vous venez de vous venez de le dire et vous avez dit euh, c'est le cas dans de nombreux pays. C'est le cas dans de nombreux états de droit, euh, Marine Le Pen, dans de nombreux pays euh, démocratiques avec euh, nos traditions démocratiques. Vous pouvez euh, les citer Vous m'amusez un peu monsieur parce que euh, je vous rappelle que nous sommes enfermés chez nous. Enfermés chez nous depuis euh, maintenant euh, près de deux mois. D'accord Enfermés. Alors, euh, je suis désolé, mais il m'apparaît quand même que porter un masque est largement moins pénible et peut-être a largement moins de conséquences sur notre économie. Parce que moi, je pense aussi évidemment aux artisans, aux auto-entrepreneurs, aux commerçants. Je pense au tourisme qui va être terriblement euh, touché. Euh, et, et, et je me dis que porter un masque dans l'espace public, là où il y a du monde et, et où donc chacun a envie de contribuer à ce que la vie puisse reprendre, mais dans des conditions de sécurité maximum, c'est quand même moins attentatoire, quoi qu'on en dise. Euh, aux libertés individuelles euh, que d'être enfermé chez soi non vous, vous disiez c'est le cas dans de nombreux pays je vous demandais si vous pouviez nous en citer un ou deux pays démocratiques des états bah, de droit écoutez, où le masque Corée est obligatoire mais enfin écoutez de manière, de manière générale, en, en Asie, euh, le, le masque n'a pas besoin d'ailleurs d'être obligatoire, puisque en, en l'occurrence, tout le monde le met, ça fait partie euh, des, des traditions. Mais euh, voilà, je, pourquoi est-ce que vous pinaillez C'est quoi le problème est Quel la est question, votre problème dans l'idée Non, mais quel est votre problème vous êtes Moi, attaché. je voudrais savoir au fond de vous. Quel est votre problème dans l'idée que pendant quelques semaines, il faille que tout le monde mette un masque Des études ont été faites pour démontrer que si tout le monde porte un masque, si 90% des gens portent un masque, eh bien on réduit euh, assez considérablement et même très considérablement le risque de circulation du virus. Si seulement 50% des gens portent un masque toute la journée il vient de l'enlever seulement pour faire cette émission, et sinon il le est porte vrai. toute la journée. Donc, vrai. Euh, déjà sur ce point précis. Euh, oui. Justement, Marine Le Pen, au, au sujet des masques et de l'accès aux masques, une nouvelle fois. Vous avez suivi évidemment cette interrogation et polémique au sujet de la, la grande distribution. Euh, L'ensemble des présidents des ordres médicaux en france ont signé une tribune assez virulente d'ailleurs pour dire nous n'avions pas de masques comment la grande distribution peut-elle annoncer des centaines de millions de masques mis à disposition des français dans leurs rayons à partir de, des jours prochains? est ce que vous croyez à la réponse de la grande distribution qui dit attendez on n'a rien caché nous on n'a rien caché on a juste commandé? Je, 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 je ne sais pas. Je, par, par principe, si vous voulez, j'ai pas de raison de croire ou de ne pas croire. Ce que je sais, c'est que euh, celui qui est responsable de ça, c'est l'État. Celui qui est responsable du fait que les soignants ont été privés de masques, c'est l'État. C'est l'État qui a géré d'une manière euh, inconséquente, irresponsable ces euh, commandes de masques, qui n'a pas permis euh, aux soignants, euh, dans les EHPAD, euh, dans les hôpitaux, euh, euh, le, la, la médecine de ville, les infirmières, les, les, les aides à domicile, de pouvoir avoir des masques. C'est ça ce que je vois. Ce que je vois, c'est que l'État a interdit aux pharmacies de se fournir. En masque auprès de leurs fournisseurs, et ça c'est incompréhensible, parce qu'après tout, si vous voulez, beaucoup de personnes ont commandé des masques à côté de l'État, les départements ont commandé des masques, les régions ont commandé des masques. Tout ça, ce sont des masques supplémentaires, et plus il y a de masques sur le territoire national, et mieux c'est pour tout le monde. Mais l'État, qu'est-ce qu'il a fait Marine Le Pen, justement, est-ce que vous pensez quelque part que c'est une faillite de l'État C'est prisonnier de sa bureaucratie, de sa technocratie, qui fait qu'il y a eu des millions de masques qui ont été coincés aux douanes de Roissy pour faire des contrôles, qui étaient peut-être nécessaires, en tous les cas des contrôles sanitaires. Est-ce que justement c'est une faillite de l'État sur ce point-là Mais c'est une faillite de l'État de, de bout en bout. Je ne pas vous dire mieux, de bout en bout. Moi, j'ai posé une question très simple. Hein. C'était, euh, je crois, de mémoire euh, au, mois, au début du mois de mars, me semble-t-il. J'ai posé une question au ministre. Combien avez-vous commandé de masques Auprès de qui À quel coût Et quand seront-ils livrés J'ai jamais eu de réponse. J'ai sollicité, il y a déjà, euh, je crois, plus de 10 jours, que soit tous les jours fait un point par M. Salomon du nombre de tests et de masques effectifs. Est -ce que vous je n'ai toujours une commission pas de réponse sur est ce, ce sujet. Est-ce que vous allez demander une commission d'enquête comme ça de toute façon demandé au Sénat Mais Madame, nous n'en sommes. Mais je pense que de toute façon, il y aura une commission d'enquête, ça paraît être une évidence. mais, mais on est même au-delà de ça. Je pense qu'il y aura et il y a déjà toute une série de demandes d'action en justice qui sont effectuées. Parce que encore une fois, l'État a une responsabilité dont il cherche, j'ai bien compris, à se défausser, mais il a une responsabilité. Mmh. Je veux dire, tout ça a été fait absolument n'importe comment. Euh, de surcroît, quand on est en situation de guerre, on ne propose pas aux fournisseurs, quand il y a une tension mondiale, de payer à six semaines. Inutile de vous dire que dans ces conditions-là, oui. les États qui ont payé euh, euh, cash le jour même, eh bien, ont été livrés avant l'État français. Donc entre ça. Euh, entre le, le mal qu'a eu euh, la sixième puissance mondiale à, à réorienter des entreprises pour pouvoir fabriquer euh, des masques sur notre territoire euh, national, euh, on se dit que l'État a, en l'occurrence, totalement failli. Vous avez observé, Marine Le Pen, euh, le projet de loi présenté samedi euh, hier, donc en, en Conseil des ministres, qui prolonge, qui vise à prolonger l'état d'urgence sanitaire. Il y a euh, des inquiétudes euh, qui s'expriment dans la classe politique au regard des libertés publiques, notamment l'article 6 euh, de ce projet de loi qui prévoit euh, euh, un fichier pour tracer les personnes malades et euh, les personnes avec qui elles ont été en contact. Quel regard, euh, Marine Le Pen, portez-vous là-dessus euh, Oui, je suis, je partage ces inquiétudes. Euh, D'abord, permettez-moi de vous dire que je considère que voter euh, une euh, loi d'urgence sanitaire euh, pour deux mois, c'est trop. Euh, je pense qu'il faut que ça dure un mois et que, ou même trois semaines et que l'Assemblée nationale soit amenée, enfin le Parlement soit amené à revoir euh, ces dispositions, euh, revoir leurs nécessités, euh, revoir euh, leurs euh, leur dispositifs de manière absolument régulière, précisément parce que ça attente aux libertés. Quant aux fichiers, bien entendu, je m'en inquiète beaucoup et j'ai réclamé euh, qu'il y ait une cellule avec euh, euh, la CNIL, avec. Avec des avocats, avec des magistrats euh, qui puissent avoir la haute vue sur un fichier qui ne pourrait de toute façon avoir qu'un temps qui soit extrêmement limité, dont les données pourraient la conservation des données pourrait avoir qu'un temps extrêmement limité. Donc, on va regarder ça de très près parce que j'ai le sentiment que euh, toutes ces questions euh, de, de liberté individuelle euh, sont prises un peu euh, par-dessus la jambe par le gouvernement. Dans ces brigades d'ange gardien, pour citer Olivier Véran, Marine Le Pen, il y a donc des, des personnes qui ne sont pas des médecins, qui vont avoir accès à des données sensibles, qui doivent être en théorie euh, protégées. Ces accès-là doivent être légiférés. et Du coup, vous allez être amené vous à vous prononcer en tant qu'élu de la nation sur ces questions la, la, la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ces personnels de, euh, de, des institutions nationales, en tout cas de l'administration, qui ne sont pas médecins, puissent traiter ces données ben, ça me pose un problème, parce qu'encore une fois, je crois beaucoup au secret médical. Euh, je pense d'ailleurs que l'idée d'avantager de, euh, financièrement des médecins pour leur demander de violer euh, le secret médical pose un vrai problème. Donc on va décortiquer ce dispositif euh, de manière très précise euh, pour euh, tenter de mettre sur place quelque chose qui soit en même temps efficace et en même temps qui préserve euh, précisément ce secret médical. Sur l'application Stop Covid, vous savez, finalement, elle ne sera pas prête le 11 mai, mais en tous les cas, le gouvernement s'apprête quand même à la mettre en place. Il y a aussi la question de savoir si les données vont être centralisées ou pas. Est-ce que vous êtes à considérez aussi que c'est liberticide cette application Stop Covid que les gens pourraient volontairement télécharger. Bah, moi, je suis contre euh, la gestion centralisée euh, de ce type de données. Euh, et, et encore une fois, je pense que euh, tout ça doit être euh, soumis à l'appréciation et au contrôle euh, d'une euh, instance indépendante de l'État. Euh, je pense que l'État ne doit pas avoir en main euh, la collecte de ces données, que bien entendu, elle ne doit pas pouvoir l'utiliser pour d'autres raisons. C'est pour ça pourquoi j'avais demandé que le ministère de l'Intérieur soit totalement écarté, de près ou de loin, euh, de, de ces données. Euh, mais je vois qu'en réalité, elle, pas, elle ne sera pas mise en œuvre très certainement, euh, de la même manière que je ne crois pas du tout à la mise en œuvre de ces brigades d'ange gardiens dont le nom euh, euh, et je trouve ridicule, euh, qui sont des, des processus qui sont extrêmement complexes. Je crois que la Corée du Sud a mis cinq ans avant de réussir à, à mettre euh, en place tout cela. Euh, donc euh, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on amuse la galerie, qu'on annonce toute une série de choses, alors que euh, l'essentiel, le primordial, on ne l'a pas. Donc à, avant tout cela, ce qui est très important encore une fois, c'est de tester les gens et de leur offrir des masques. Reste avec nous, ce Marine que réclame l'OMS depuis... depuis fin janvier. Ouais. On, voilà. on se retrouve en direct dans un instant. On a encore pas mal de choses à, à évoquer, évidemment, le retour vers l'école hein, à partir du 11 mai euh, pour beaucoup d'élèves en, en France. On parlera évidemment des questions économiques euh, qui se posent, la crise économique en plus de la crise euh, sanitaire. Suite de BFM Politique dans quelques secondes. À tout de suite. Comme tous les soirs à 20h aujourd'hui, la France applaudit. Premier mot, merci. On vous applaudit tous les soirs à 20h. Je remercie les infirmiers et les infirmières et je les encourage. Je voudrais qu'ils soient courageux. Merci, 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 merci du fond du cœur. Dans ces moments qui ne sont pas faciles pour vous. Merci pour ce dévouement. Pense à vous et tenez le coup. Tous les soirs à 20h pour soutenir nos soignants, on applaudit. Lidl soutient 20 heures en applaudis sur BFM TV et s'associe à la solidarité nationale en applaudissant aussi tous les salariés de la chaîne alimentaire. L'ensemble des recettes générées par ce partenariat sera reversé à la fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Au deux, solidaires de tous ceux qui ont redécouvert la joie de faire le ménage et de garder leurs enfants. Au deux. Numéro 1 du service à domicile. Même à distance, Citroën reste proche de vous. Achetez en ligne votre voiture neuve disponible immédiatement parmi plus de 14 000 voitures en stock sur carstore.citroen.fr. Citroën. Chez Horace, découvrez nos soins naturels fabriqués en France pour prendre soin de votre corps, de vos cheveux et de votre visage naturellement. Et efficacement. Livraison assurée gratuite des 30 euros d'achat. Rendez-vous sur notre site oras.co Horace, soins naturels pour hommes. Envie de mincir Découvrez Anaka 3, conçu pour la perte de poids. Il empêche l'accumulation des graisses, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et ses garanties satisfaits ou remboursées. Disponible en pharmacie et sur anaka3.com. Et découvrez la gamme Anaka 3, sur anaka3.com. Si tu as besoin d'un lit, c'est Compagnie du Lit. Commandez aussi sur la compagnie du lit.com Pour que nos commerçants continuent à faire battre le cœur de notre économie, nous pouvons les aider. Sur sauvetoncommerce.fr, vous pouvez acheter des bons solidaires qui seront bonifiés par votre commerçant et utilisables dès la réouverture de leur commerce. Vous faites une bonne affaire jusqu'à 100 euros de bonus et une bonne action. Vous aidez votre commerçant puisque le montant de votre bon solidaire lui est reversé alors qu'il est fermé. Il continue ainsi à faire du chiffre d'affaires. Alors, soyons tous solidaires. Rendez-vous sur sauvetoncommerce.fr pour connaître les commerçants de votre ville participants et les offres proposées. Oh oh Forge of Empires. Développez votre ville depuis l'âge de pierre jusqu'à l'ère du futur. Disponible sur l'App Store et sur foe.tv. Forge of Empires. Jouez maintenant. Nous sommes un lien. Un lien de confiance et de solidarité. Un lien qui se renforce durant cette période difficile. Pour surmonter cette épreuve, nos adhérents bénéficient d'un service de consultation médicale à distance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'un soutien psychologique et de conseils en prévention santé. Nous sommes AESIO, une mutuelle dont tous les salariés se mobilisent plus que jamais pour vous. AESIO, décidons ensemble de vivre mieux. Avec l'arrivée des beaux jours sur ManoMano.fr Venez choisir votre machine pour couper tous les brins d'herbe exactement à la même hauteur Qu'elle fonctionne toute seule, en la poussant un peu ou carrément en s'asseyant dessus ManoMano Mano. Mano, Mano. Bricolage, maison, jardin, ManoMano.fr, Mano. Mano. vous pouvez le faire Le gal label français de qualité Découvrez nos nouvelles capsules biodégradables Legal, vous méritez le meilleur du café. Hey Vos canalisations ont un problème? Orea a la solution. Orea répare toutes les canalisations horizontales et verticales par l'intérieur, sans trous ni tranchées. Des interventions moins chères, plus rapides, moins bruyantes et garanties 10 ans. Plus d'infos sur orea.fr. Merci à nos chauffeurs qui facilitent les déplacements du personnel soignant et de tous ceux qui se mobilisent pour que la vie continue. G7, chauffeur et tellement plus. Écoutez RMC partout tout le temps avec l'appli RMC, RMC. La seule radio du débat, de, de l'info et, et du sport. Téléchargez la nouvelle appli RMC et retrouvez tous les shows, tous les podcasts et les infos de la rédaction. RMC, RMC la radio info, talk, sport. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être connectés pour nous informer, étudier, travailler, nous soigner nous divertir. Mais surtout, nous avons besoin de rester connectés les uns avec les autres. Et c'est pour cela que SFR est mobilisé à chaque instant. Vous pouvez compter sur nos équipes. Vous pouvez compter sur notre réseau. Vous pouvez compter sur nous. Vous êtes hospitalier, vous êtes militaire, vous êtes malade ou blessé et sans mutuelle, nous prenons en charge vos frais de santé. Vous comme tous les bien-portants. Vous pouvez vous considérer comme protégé. Votre mutuelle de référence peut, si vous le souhaitez, vous protéger en santé comme en prévoyance, du début du confinement jusqu'à l'été, gratuitement. Vous êtes en première ligne pour nous. Nous voulons être là pour vous. Protection première ligne avec les mutuelles MNH et Uneo. Pour en savoir plus, covidpremiereligne.fr. Bon, moi je m'occupe d'être un canapé design fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française. Et vous euh... Installez-vous, tranquille. Camif.fr, nos meubles aussi, pensent très très fort à demain. La suite de BFM Politique à midi et demi avec Edwige Chevrillon de BFM Business et David Doucan du Parisien. Notre invité, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, une question qui interroge, qui inquiète évidemment beaucoup de gens qui nous regardent, beaucoup de parents qui nous regardent, c'est le retour à l'école pour leurs enfants, pour ceux qui sont concernés à partir du 11 mai. Euh, je pose la question la plus simplement du monde. Pensez-vous que ce retour à l'école le 11 mai est une bonne idée non, je pense que c'est une idée déraisonnable et je l'ai dit tout de suite, il m'apparaît qu'on aurait pu très bien considérer que l'école reprenait comme a décidé de le faire l'Espagne, comme a décidé de le faire l'Italie, c'est-à-dire les pays qui ont été touchés comme nous assez fortement par l'épidémie au mois de septembre. Je note d'ailleurs, pour avoir regardé les consignes qui ont été données aux enseignants, que ces consignes sont quasiment inapplicables. Euh, on demande de laver la main, les mains des enfants en maternelle euh, à chaque fois qu'ils éternuent ou qu'ils toussent ou, euh, et, et de tout désinfecter. C'est impossible mmh. pour des enfants aussi jeunes euh, de leur faire respecter euh, les, les, les barrières physiques qui sont nécessaires pour éviter une propagation oui. du virus. Et, et j'avoue que je suis d'autant plus inquiète qu'une étude récente du professeur Drosten, qui est un très grand virologue, hein, c'est celui mmh. qui gère. L'épidémie depuis le début en Allemagne. Allemagne C'est celui d'ailleurs qui a créé le premier test dès le mois de décembre, un test qu'il a mis à disposition publiquement, gratuitement sur les réseaux sociaux dès mi-janvier. Eh bien, il a fait une étude sur la contagiosité des enfants et, contrairement à ce qu'on nous a dit là encore, il révèle que les enfants sont aussi contagieux que les adultes. Enfants qui, de surcroît, semblent touchés. Par une, une maladie qui semble être semblable à, à la maladie de, de Kawasaki. Un certain nombre d'alertes ont été euh, oui. lancées par des services pédiatriques de certains pays, euh, et notamment d'une autre. Donc, toutes ces raisons-là font qu'avec les enfants, peut-être particulièrement, le principe de responsabilité, le principe de précaution euh, nécessite de ne prendre oui. aucun risque. Et il m'apparaît que cette reprise en premier, quasiment, oui. de l'école euh, pour les petits est risquée. Et on se rend compte que cette reprise du 11 mai ne sera pas une rentrée scolaire. On voit bien que ce qui se profile, c'est peut-être le retour de 10% des enfants à l'école. En tout cas, dans les départements rouges, ceux où le virus circule toujours beaucoup et où les services hospitaliers sont toujours très sollicités. Et donc, se mettent en place, là, les mairies euh, mettent en place des, 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 euh, des procédures pour limiter le nombre d'enfants qui vont pouvoir reprendre l'école à partir du 11 mai. Euh, la mairie de Paris, par exemple, euh, propose que euh, euh, ce soit fait notamment sur critères sociaux, sur euh, euh, les revenus, euh, le, la situation sociale des parents. Que pensez-vous de, de cette idée non, mais j'y suis en l'occurrence euh, opposé. Euh, ça veut dire que euh, les, les enfants euh, de gens modestes euh, pourraient euh, prendre plus de risques que les autres. Euh, je suis désolé, mais je suis en désaccord sur ce sujet avec Madame, euh, avec Madame Hidalgo. Mais puisque vous avez parlé des mères, permettez-moi d'avoir une petite pensée pour eux quand même. Parce qu'on euh, leur a euh, comment dire, envoyé le bébé avec l'eau du bain euh, on leur a dit de se débrouiller. Pour beaucoup, euh, ils ne savent même plus comment mettre en œuvre euh, ces mesures pour réouvrir les écoles dans des conditions euh, qui soient un minimum sécurisées euh, pour les enfants. Et, et j'ai déposé d'ailleurs, euh, un, fait une proposition de loi euh, pour euh, éviter qu'ils puissent euh, être poursuivis demain en responsabilité mmh. et que leur responsabilité pénale, notamment, puisse être euh, oui. engagée. C'est l'État euh, qui a pris cette décision. Euh, si je puis me permettre, c'est à l'État d'en assumer les responsabilités vous faites en, fait en cela écho à, à, à une annonce hein, du groupe euh, du Sénat des Républicains qui, qui va saisir le Conseil constitutionnel hein, sur la responsabilité des élus. Que, que vous disent d'ailleurs les élus rassemblement nationaux, les élus locaux On va rappeler, Marine Le Pen, pour les gens qui nous regardent, que les élus locaux, les maires, gèrent la crèche, la maternelle, le primaire, que le département gère le collège et que le lycée est géré par la région, hein, pour que les choses soient claires. Que vous disent vos élus locaux sur ce retour à l'école le 11 mai — Ils y sont très opposés. Et je vous signale d'ailleurs que, de mémoire, que ce soit chez Julien Sanchez à Beaucaire ou que ce soit chez Stibriois à Hénin-Beaumont, ils ont lancé une grande consultation de la population sur la réouverture des, des écoles le 11 mai. Et contrairement aux sondages nationaux qui sont donnés, ça n'est pas 50 ou 60% des gens qui sont opposés à la reprise de l'école. C'est 95% des gens qui y sont opposés. Donc je pense que les Français, une fois de plus, font preuve de bon sens. Alors justement, puisque vous parlez de ces chiffres, hier, il y avait sur ce plateau le maire Les Républicains de Clamart qui a conduit une étude pour savoir en gros combien d'élèves il aura géré dans les écoles de primaires de sa ville. Il a été surpris de constater que 60% des parents, 60% des parents, Marine Le Pen, souhaitent remettre leur, école, leur enfant à l'école à partir du 11 mai. Mais dites-moi, monsieur, ont-ils le choix Ont-ils le choix Puisque de toute façon, euh, l'État a indiqué, euh, par la voix de Mme Pénicaud, euh, que euh, les parents euh, ne pourraient plus accéder euh, aux dispositifs euh, visant à leur assurer leur salaire, au moins en partie, euh, à partir du moment où les écoles seraient réouvertes. Mais je vous rappelle que ces écoles sont réouvertes contre l'avis du conseil scientifique là encore le conseil scientifique a indiqué très clairement qu'il était opposé à la réouverture des écoles et qu'il conseillait la réouverture des écoles le 1er septembre donc c'est quand même assez ouais. terrible ce chantage que l'on fait aux parents en disant de toute façon si vous voulez euh, continuer à toucher un salaire et eh bien vous serez obligé de remettre euh, vos enfants à l'école euh, c'est pas digne de notre pays je le crois Alors. Olivier Véran, le ministre de la Santé, répond à cette question sur le Conseil scientifique ce matin. Il explique que le Conseil scientifique était opposé à une réouverture des écoles comme avant, mais pas avec des systèmes sanitaires plus, plus durs. Reste que la question que j'ai envie de vous poser, Marine Le Pen, c'est lorsque le président de la République. Dit qu'il faut rouvrir les écoles à partir du 11 mai. Il évoque une raison. Il dit c'est parce que beaucoup d'enfants sont en train de décrocher. C'est pour faire face au décrochage scolaire de certains. Le croyez-vous, Marine Le Pen, sincère, Emmanuel Macron, lorsqu'il évoque cette raison est -ce non, que est je, une ne réalité. je ne crois pas. Je ne crois pas car il y a euh, euh, tout à fait les moyens. Enfin, je l'espère encore une fois pour la sixième puissance mondiale euh, de détecter très précisément les élèves qui ont décroché, c'est-à-dire avec lesquels euh, les enseignants n'ont plus euh, de contact ou qui n'ont pas accès euh, à des moyens numériques pour pouvoir s'en occuper euh, au cas par cas et éviter ce décrochage. Mais le décrochage dire, en maternelle, très honnêtement, je suis pas tout à fait sûr. Pardon, en crèche. Et en maternelle, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit euh, véritablement euh, une préoccupation absolument majeure. On parle ici d'un mois de scolarisation. Quelle est pour vous la vraie raison alors Bah, probablement que euh, poussé peut-être sous pression euh, d'un certain nombre de grands organismes patronaux, le président de la République veut à tout prix que les Français retournent travailler et que pour retourner travailler, eh bien il faut que les enfants qui ne sont pas capables de se gérer tout seuls puissent être pris en charge. Et c'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les crèches, les maternelles et les primaires euh, qui sont euh, qui rentrent en premier, les collégiens plus tard et les lycéens, eux, rentreront au mois de septembre. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que euh, dans tous euh, les pays. Euh, les, les écoles, c'est la dernière chose qu'on réouvre. Euh, euh, en Autriche, par exemple, qui a très bien géré, il faut bien dire, hein, la crise sanitaire, euh, qui a beaucoup, beaucoup moins de, de morts et de malades que nous, eh bien, ils ont euh, déconfiné et euh, ils ont indiqué que l'école reprendrait un mois après euh, la fin du confinement, précisément pour voir comment euh, les choses évoluaient. Qu'au Japon, ils ont réouvert les écoles, eh bien, ils les ont refermées. Ils ont été obligés de les refermer. Donc, encore une fois, avec les éléments qui sont à ma disposition et qui sont obligatoirement moindres que ceux qui sont à la disposition de l'État, même s'il n'en a pas fait grand chose des informations qui lui avaient été transmises depuis le début de cette crise, eh bien, je pense qu'encore une fois, il est déraisonnable de réouvrir les écoles le 11 mai. Marine Le Pen, il y a les écoles. Et puis, évidemment, après, normalement, il y a la question logique des vacances. Euh, vous avez dit que l'urgence sanitaire qui était prorogée jusqu'au 24 juillet, c'était beaucoup trop long qu'il fallait plutôt le, le réaménager période par période. La Christophe Castaner et Olivier Véran viennent de dire qu'il n'était pas sérieux d'envisager de, de prendre des billets d'avion. Bref, de prendre des vacances que pour l'instant, tout était incertain. Est-ce que vous comprenez encore une fois cette position bah, je ne comprends pas parce que euh, euh, moi, je pense encore une fois aussi à l'économie euh, et à la cohorte de chômeurs euh, que risque de créer cette situation. Je comprends bien qu'il n'est pas raisonnable de prendre un à billet d'avion pour aller tourisme, à l'étranger, ouais. évidemment. Mais, mais il me semble que justement cet été, euh, l'organisation le, le, peut-être même au travers de chaque vacances a dépensé euh, précisément euh, en France, dans nos départements, dans nos territoires, que euh, la, la mise en œuvre de ce tourisme national repartait en quelque sorte à la découverte euh, de, de notre pays pourrait être un moyen d'atténuer un peu les conséquences économiques euh, de cette crise euh, sur, euh, pour, euh, évidemment, on, non seulement on euh, de la les crise économique dans du un tourisme un instant. mais pour oui, les restaurants. Donc, et, oui. et, et tout le reste. Mais vous dites aux Français, partez en vacances, allez sur les plages, euh, c'est ça votre message mais madame, mais madame, moi ce que je ne comprends pas, d'abord ne résumez pas euh, mon message ainsi, euh, je vous dis qu'il faut que le Parlement vérifie encore une fois de manière périodique la manière dont ça se déroule, mais nous parlons du mois de juillet. Mmh. Et vous nous dites, on ne pourra pas aller sur une plage au mois de juillet ou au mois d'août, mais en revanche on peut aller dans le métro le 11 mai. Bon, bah là, je suis désolée, mais moi, je oui. considère qu'il y a une incohérence. Encore une fois, il y a des départements qui sont verts, par exemple. Hein, je vous donne un exemple, et pourtant, je suis plutôt raide hein, sur les mesures qui doivent être prises en période euh, sanitaire. Mais objectivement, il y a des euh, plages qui sont gigantesques sur notre littoral euh, et, et où les gens pourraient très bien être à 10 mètres les uns des autres. Facilement. Alors, on dit oui pour le métro et on dit non, on dit non pour les plages. C'est incohérent. Matignon, euh, Marine Le Pen, euh, à l'instant, Christophe Castaner explique que s'il n'est pas possible de tenir le second tour des les élections municipales au mois de juin, il faudra sans doute prendre un texte législatif de façon à réorganiser, c'est une piste, de tours. Donc pas seulement le second tour, mais le premier et le second tour. Le mois de septembre est une piste également. Comment réagissez-vous à ça Juste... Je précise pour les gens qui nous regardent une nouvelle fois, sur les 35 000 communes en gros en France, on va préciser que 30 000 ont élu dès le premier tour leur conseil municipal, en tout cas leur maire, et qu'il restait 4 à 5 000 communes qui devaient encore se prononcer. Oui, il est acquis depuis de nombreuses semaines que si les élections euh, n'ont pas lieu en juin, et je pense qu'elles n'ont pas lieu en juin, pour une raison simple, c'est que le gouvernement français est absolument incapable euh, de pouvoir euh, euh, mettre à disposition un masque par électeur euh, pour éviter euh, les risques euh, de, du premier tour des élections euh, municipales de mars, euh, eh bien les deux tours se rejoueront. Je trouve que c'est naturel, quand il y a une trop grande distance entre le premier et le second tour, ce qui serait le cas si les élections avaient lieu en septembre ou en octobre, alors il y a un vrai problème de logique et de sincérité du scrutin. Marine Le Pen, vous veniez de dire à l'instant que c'était important peut-être que les Français, surtout dans les conditions que vous avez décrites sur les grandes plages, partent, partent en vacances. Notamment si c'est bon pour l'économie. Lors de son discours sur les modalités du déconfinement, le Premier ministre a dit qu'il y avait un vrai risque d'écroulement de l'économie. Est-ce que vous vous dites que... Il faut peut-être aujourd'hui privilégier, ou qu'ils ont privilégié, le risque économique, l'écroulement de l'économie, au risque sanitaire. Non, ce que je dis, c'est que les mesures qui ont été mises en œuvre, dont une partie était bonne, hein, le chômage partiel, moi j'ai accompagné cette mesure, je trouve que c'était une oui. bonne mesure, mais que euh, toute une série de mesures qui ont été prises pour les entreprises euh, étaient à mon avis euh, mal adaptées. Euh, notamment, j'ai réclamé, vous le oui. savez, que euh, le report des charges soit transformé en annulation des charges, à partir du moment où euh, on n'a pas, où les, les entreprises, euh, les commerçants, les, les artisans n'ont pas de revenus. Euh, euh, eh bien, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront payer des charges même si elles sont euh, reportées. De la même manière, j'avais proposé un dispositif qui permette d'accorder à toutes les euh, entreprises de moins de 1000 salariés, de l'auto-entrepreneur jusqu'à l'entreprise de moins de 1000 salariés. 1500 euros par mois plus, plus 1000 euros par salarié. Ce qui permettait euh, aux entreprises de conserver euh, des, des liquidités pour ne pas euh, risquer la faillite. C'est un autre choix qui a été fait. Un fonds de solidarité auquel euh, là, je suis désolée, mais il y a quand même une majorité d'entreprises qui ont énormément de mal à accéder. Et puis euh, des, des aides à destination des très grands groupes, mais qui sont sans commune mesure avec euh, ce qui a été accordé aux petites entreprises qui sont pourtant Sur... évidemment euh, celles qui sont euh, fragiles, et puis qui créent l'emploi. Sur la question du chômage partiel, euh, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit que le gouvernement réfléchissait, en tous les cas, à faire évoluer les modalités de remboursement de ce chômage partiel. Est-ce que, vous vous dites, ça serait à partir du 1er juin On ne connaît pas, aujourd'hui, on sait qu'on peut toucher 84% de son salaire net. Est-ce que, vous vous dites, il y a un moment pour qu'il y ait une sorte de retour vers la normale, qu'il faut diminuer les avantages qu'on peut avoir en étant au chômage partiel mais je ne répondrai pas à cette, à cette question pour une raison simple, c'est que avant d'envisager de rogner sur les salariés, est-ce que Mme Pénicaud pourrait faire en sorte qu'ils aient des masques et des tests Et je vous le redirai jusqu'à ce qu'il y ait des masques et des tests. Voilà, okay. jusqu'à ce que tous ceux qui ont le symptôme, quel qu'il soit, puissent être testés. Ça n'est pas le cas depuis trois mois. Depuis trois mois, vous n'êtes testé que si vous avez des symptômes graves, que si vous êtes hospitalisé. Les gens qui étaient malades ont été renvoyés chez eux sans masque pour aller contaminer leur famille. Tout cela est inadmissible et encore une fois, c'est totalement contraire à ce qu'a réclamé l'OMS depuis trois mois qui a demandé de tester, d'isoler et de soigner. Mmh. On n'a pas testé. On n'a pas isolé et on n'a pas soigné, parce que le trou noir, quand même, euh, du plan qui est proposé par le gouvernement, c'est le soin. Le oui. traitement est passé complètement à la trappe. Euh, et c'est dommage, car nous avions un traitement qui n'était peut-être pas parfait, mais qui, s'il avait pu être délivré par les médecins sous contrôle des médecins libéraux, aurait très certainement évité la transformation de cas euh, qui étaient des cas euh, bénins en cas graves. Euh, Marine Le Pen, encore une question d'ordre économique, s'il vous plaît. Euh, après Air France, après Renault, c'est autour du patron euh, qui ont déjà été aidés. Hein, c'est autour du patron de la SNCF, Monsieur Farandou, d'appeler à l'aide la SNCF qui annonce 2 milliards de pertes auxquelles s'ajoute un milliard de pertes euh, après la, la grève sur la réforme des retraites. Monsieur Farandou, qui dit la thématique de l'emploi est sur la table, le sujet n'est plus tabou à la SNCF. Mais moi, je crois qu'il faut aider nos grandes entreprises, mais pas seulement elles. Voilà. Euh, je, vous le savez, euh, je, je me suis prononcé d'ailleurs, hein, je ne parle pas de la mais je me suis prononcé pour la possibilité de nationalisation temporaire. Je pense qu'en situation de crise, il faut protéger nos entreprises. Il faut les protéger quand elles sont fragilisées. Il faut les protéger euh, peut-être d'ailleurs de raids euh, étrangers hein, qui feraient passer des grandes entreprises stratégiques entre les mains euh, de, de, de capitaux euh, étrangers. Nous devons faire tout ce qui est en notre euh, capacité pour pouvoir euh, protéger, encore une fois, euh, des secteurs qui sont stratégiques, des secteurs euh, qui sont euh, essentiels. Et, et je n'ai pas une vision euh, idéologique hein, sur le sujet, sur ce sujet. J'ai une vision qui est totalement euh, pragmatique. On peut faire des avances en capital, on peut faire des prêts euh, à long terme. Il y a beaucoup de choses que nous faisons déjà, enfin que le gouvernement euh, fait déjà de manière entre guillemets traditionnelle, et qui évidemment se justifie d'autant plus dans une crise comme celle-là. Mais ce que j'aimerais aussi, si vous voulez, c'est réclamer de la Banque Centrale Européenne que la création monétaire qu'elle a mise sur la table n'aille pas seulement aux très grands groupes ou seulement aux banques, qu'elle aille aussi dans l'économie réelle et notamment dans les TPE et PME. Je justement, parle d'elle parce que tout le monde êtes... parle des grands groupes, si vous voulez, mais très peu parlent des petites entreprises. Euh, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Supposez que vous remportiez cette élection de Marine Le Pen, justement, qu'est-ce que vous feriez Une question comme ça, par rapport à cette montagne de dettes qu'il bah, qui faudra bien absorber d'une manière ou d'une autre. Ça peut être 100, 200, 300, 400 milliards. Qu que, quelle sera votre position Qu'est-ce que vous allez décider Annulation ou pas Alors. Ah non, 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 moi je pense qu'un pays doit euh, respecter euh, le, le, le remboursement de ses dettes, même si, encore une fois, on pourra en discuter longuement, mais en réalité, vous savez bien qu'on ne rembourse pas les dettes, hein, on ne rembourse euh, que les intérêts. Mais je crois surtout que plus globalement, ce qu'il faut, c'est produire à nouveau de la richesse nationale. C'est-à-dire que moi, je serais assez pour un grand emprunt de reconstruction euh, nationale où nous nous tournerions vers les Français en leur livrant un taux d'intérêt qui serait à 2%, c'est-à-dire quatre fois. Euh, le taux d'intérêt euh, qui est actuellement euh, délivré par le livret A, mais avec des conditions extrêmement précises fixées par la loi, pour venir au soutien et développer évidemment euh, des entreprises nationales, des entreprises françaises, pour relocaliser, pour réindustrialiser euh, notre euh, notre pays. On a bien vu que euh, un, un des problèmes majeurs euh, que nous avons euh, été obligés de gérer euh, est évidemment notre dépendance absolument inouïe, y compris sur des secteurs essentiels comme la santé, comme les médicaments, euh, notre dépendance à euh, des pays qui sont des pays étrangers. Et dans ce domaine, il va falloir faire un bras de fer avec l'Union européenne. Je vous ai retrouvé, parce que quand même, ça vaut le coup, euh, une déclaration de M. Borrell. M. Joseph Borrell, c'est l'ancien président du Parlement européen. Il est, il, est, il, est actuellement, euh, euh, il est actuellement haut représentant de l'Union européenne. Alors il fait une interview d'ailleurs dans un journal du dimanche pour dire qu'il faut réduire notre dépendance dans les domaines sensibles. Il n'est pas normal que l'Europe ne fabrique pas un seul gramme de paracétamol. Alors jusque-là, on se dit ils ont enfin compris leur erreur. Eh bien non, il continue en disant qu'il faut travailler sur nos chaînes de valeur et les rapatrier dans notre voisinage, dans les Balkans, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Ils n'ont rien compris, voilà. Ils n'ont rien compris et par conséquent, il ne faut pas, euh, euh, comment dire, avoir confiance en eux pour être capable de euh, constituer une France d'après puissante, puisque leur idéologie ultralibérale, leur idéologie mondialiste, leur idéologie sans frontières sera toujours mmh. leur ligne de conduite. Marine Le Pen, on, on se souvient euh, qu'en 2016, vous vous étiez réjoui, vous vous étiez félicité de l'élection de Donald Trump, euh, président des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, euh, dans cette crise, je vous entends très dur vis-à-vis -vis du gouvernement français. Quel regard portez-vous sur la gestion par Donald Trump de la pandémie qui frappe les États-Unis très durement bah, Écoutez, je pense que Donald Trump, euh, a, encore une fois, a commis euh, un certain nombre d'erreurs lourdes, mais exactement comme le gouvernement français. Je pense qu'il a cru et mis en place au début euh, cette idée folle euh, de euh, l'immunisation collective. Mais ça a été le cas aussi du gouvernement français. Début mars, le gouvernement français nous explique, par la voix de M. Véran, par la voix de Mme Sibeth Ndiaye, que lorsqu'on arrivera au stade 3 de l'épidémie et où le virus circulera partout, eh bien, ce ne sera plus la peine de confiner personne, ce ne sera plus la peine euh, d'envisager de fermer euh, des écoles. Donc, Donald Trump, il a été dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Il n'y a qu'une différence, c'est que les États-Unis ouais. sont, un, sont un pays fédéral. Et en réalité, ouais. Donald Trump peut donner des grandes directions, mais la maîtrise de l'épidémie sur le plan pragmatique de l'organisation dépend en réalité de chaque gouverneur, ouais. de chaque État américain, un peu comme en Italie. Hein. Vous avez vu qu'en Italie, il y a eu des grosses différences entre les régions, il y a eu des grosses différences de choix. Entre les régions, certaines régions s'en sont sorties mieux que d'autres. Les responsables gouvernementaux français ne sont tout de même pas allés jusqu'à évoquer euh, euh, l'éventualité d'utiliser du détergent, euh, de s'injecter du détergent, oui. comme l'a dit Donald Trump, pour combattre le virus. Euh, Est-ce est que vous considérez euh, qu'il représente aujourd'hui un danger On a pour, eu pas mal la de stupidités énoncées par des ministres. On a eu un grand nombre de fake news énoncées par des ministres. Mais on n'a pas eu celle-là. Je vous l'accorde. Euh... Mais moi je suis française. Je suis pas américaine. Par conséquent, et euh, je suis française et non seulement je suis française mais je suis la chef de l'opposition. Donc mon rôle encore une fois c'est euh, comme députée vous êtes de la contrôler le gouvernement. Est-ce que c'est pas un titre pardon mais est-ce que euh, là c'est euh, pas un titre autoproclamé euh, chef de l'opposition, il y en a d'autres qui pourraient se dire euh, je suis pas complètement d'accord avec cette appellation là. Monsieur, il suffit d'aller regarder les élections qui se sont déroulées depuis euh, l'élection d'Emmanuel Macron, me semble-t-il. Hein. Euh, et, et vous verrez que, oui, oui. le Rassemblement national est euh, le premier parti d'opposition. Pas aux élections législatives, par exemple. Le, le premier vous... groupe d'opposition. J'ai l'impression que ça vous pose un problème, mais à ça n'a pas l'air d'imposer à ceux qui votent pour lui, en tout cas. Euh, je ne si vous ai pas entendu, pardon. Non, vous dites nous sommes le premier parti d'opposition. Je dis. Pas à l'Assemblée nationale. Le premier groupe d'opposition, ce sont les républicains. Ah bah. Oui, monsieur, mais euh, nemo auditur propriam turpitudinem allegance. Nul ouais. ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si le mode de scrutin en euh, 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 français... Permet au premier parti d'opposition de n'avoir que six députés sur 577, euh, ça n'est pas un révélateur euh, de euh, la confiance qui est faite au Rassemblement national par des millions de Français. Ça n'est que le révélateur d'une démocratie qui est pour le moins imparfaite et qui d'ailleurs pose un gros problème, qui est la fracture de confiance qui existe aujourd'hui entre le monde politique et l'immense majorité des Français. Marine le Pen, à du fait de Christophe cette absence Castaner, de représentativité. À l'instant, Christophe Castaner dit, je le cite, Marine Le Pen fait de la crise sanitaire un argument commercial pour sa campagne parce qu'elle est déjà candidate à l'élection 2022. Oui, enfin, j'étais candidate avant la crise sanitaire. Monsieur Castaner n'est pas une stupidité près. Il ferait mieux de s'occuper euh, de la sécurité publique, monsieur Castaner. Il ferait mieux de s'occuper de faire respecter le confinement dans les zones de non-droit en France où il n'est pas respecté. Il ferait mieux de protéger euh, les policiers euh, qui font l'objet d'agressions permanentes, euh, dont deux ont été grièvement blessés euh, dans le cadre d'un attentat euh, terroriste. Ça, c'est le rôle de monsieur Castaner. Il ferait mieux de faire ça. Plutôt euh, que d'émettre des, des commentaires euh, de ce niveau-là, euh, je, encore une fois, je joue, mon, je joue exactement le rôle qui m'est dévolu par les Français, je les informe, je leur dis ce qu'il aurait fallu faire. Euh, J'ai réclamé au gouvernement toute une série de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre et dont je pense et je persiste à penser qu'elles auraient très certainement limité euh, la circulation du virus dans notre pays euh, et, et très certainement euh, protégé notre système de santé euh, des décisions iniques qui ont été celles de M. Castaner et de ses amis, quand M. Castaner était encore euh, un responsable socialiste hein, et qu'ils ont. Euh, euh, mis l'hôpital public à l'os euh, en le soumettant merci à une beaucoup, cure d'austérité absolument mm. terrifiante. Mm. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous en direct. Ce...